Des maladies sexuellement transmissibles lors des consultations complémentaires. Les services de planning familial doivent être reconnus, on doit en reconnaître l'expertise et ainsi maintenir ou les maintenir ou garantir la meilleure accessibilité aux soins de santé en matière d'avortement, de contraception et de maladies sexuellement transmissibles. La loi 20 n'est pas le seul problème qui doit nous mobiliser. C'est l'ensemble des mesures d'austérité qui touchent particulièrement les femmes. Par exemple, les coupures à l'aide sociale et l'augmentation du coût des garderies. Et on vous invite à nous suivre. Alors ça, c'était Sophie Decaux de la Fédération du Québec pour le planning des naissances. Moi, c'est Alexa Connelly de la Fédération des femmes du Québec. J'avoue sortir galvanisée par le congrès d'orientation de la FFQ qu'on vient de tenir, un congrès d'orientation qui nous a permis de renforcer les luttes que nous menons contre un gouvernement qui nous attaque de plein fouet. Cette semaine, c'est des craintes touchant notre corps, notre droit à l'autodétermination. Alors, vendredi, jeudi, c'était le budget qui annonçait encore plein de jobs dans le milieu des mines, mais des coupes de jobs dans le milieu public. Les femmes sont en ce moment défaut les frais des politiques gouvernementales. Donc si on vous a appelé à venir marcher aujourd'hui, c'est pour dire vous n'allez pas toucher nos corps. C'est pas à l'État de décider comment on dispose de notre corps. Thank you.
Oh, before, right.